Pour moi, les cartes sont rebattues comme tous les ans, mais encore pire cette année, parce qu'on a des comportements liés à cette année un peu compliquée. On a un comportement de la vigne qui, en fonction des terroirs, qui réagit de façon très caractérisée, j'allais dire presque outrancière quelquefois. Et donc, il a fallu vraiment, encore une fois, intervenir plutôt tard en ce qui nous concerne au niveau des travaux viticoles en verre. On est intervenu mi-août, fin août, alors que d'habitude, c'est plutôt fin juillet, début août. Donc, on est intervenu tard pour pouvoir nettoyer la vigne, pour pouvoir la préparer, anticiper des vendanges qu'on espérait tardives, et c'est le cas. Comme vous voyez, je suis dans le vignoble de Pichon-Baran. C'est le quatrième jour de nos vendanges, 2 octobre. Et nous avons eu déjà 4 jours merveilleux ici, avec des merlots qui ont l'air superbes. En effet, l'ambiance ici en ce moment est excellente, parce que après un mois d'août qui était peut-être un peu plus frais qu'on aurait voulu, on avait vraiment besoin, au début septembre, du beau temps. Et nous l'avons eu. Un mois de septembre extraordinaire, presque chaque jour, comme aujourd'hui, du soleil. Et chaque jour qu'on se lève ici, avant les vendanges, quand c'est comme ça, on est très joyeux. Le beau temps que nous avons eu ces 5 dernières semaines a fait son travail. Chaque jour qui passe, les raisins deviennent de plus en plus mûrs et on est en train de récolter des raisins qui donnent un vin qui est extrêmement prometteur. Donc le moral est très bon ici à Pichon-Baran nous attendons un très beau millésime ici en 2014. Ce qui nous a mis un coup de baume au cœur, c'est le magnifique soleil que l'on a eu au mois de septembre et par chance qui se poursuit jusqu'au mois d'octobre et qui nous permet d'avoir des raisins d'une qualité magnifique et recherchée. Mais derrière, le travail va se poursuivre en vinification avec un travail vraiment de sélection des parcelles entre elles pour arriver à développer et garder la fraîcheur du fruit des raisins, d'obtenir en fait des tanins d'une souplesse pour exprimer tout le potentiel du millésime 2014.